Les Cimes d'Aquitaine hivernales 2017 se sont tenues ce week-end, le 4 et 5 février, sur la commune d'Aubonne-Gourette. Aubonne-Gourette est segmentée en deux quartiers. La station thermale, située à 800 mètres d'altitude, qui accueille effectivement une grosse activité thermoludique. Et cet hiver, nous avons pris nos quartiers à la station de montagne de Gourette. Donc c'est un magnifique terrain de jeu où on peut trouver une multitude de terrains d'apprentissage pour aller de la raquette à neige en milieu nordique jusqu'au ski de randonnée dans la découverte et jusqu'à l'alpinisme en milieu un peu plus rocheux. Commencer par des choses très simples. Donc on a appris à marcher, à mettre des crampons, à marcher avec, à s'encorder. Donc on a choisi des itinéraires qui louvoyaient dans des petites barres rocheuses où il fallait franchir des rosseaux, rallonger l'encordement, le raccourcir, traverser, descendre en rappel, poser une main courante. Et donc ça nous a bien occupé toute la journée. Formidable. C'était comment? C'était bien. Ouais. Une première approche technique. Super, super, les ateliers, c'était vraiment super. On est passé en forêt et tout. Moi, ma cordée a vraiment, vraiment super bien apprécié, c'était super bien conçu. Après, on a fait un rappel, on est revenu, on a fait des glissades et tout, on s'est arrêté au piolet et tout. Moi, j'ai vraiment trouvé que le travail avait été vraiment super bien fait. C'est vraiment l'initiation, donc on leur prête des skis de rando, chaussures. Une fois que vous avez appliqué les pots, vous pouvez passer la fixation en position marche. J'ai un message. Il est pas tactile celui-là. Non, c'est un vieux téléphone. On va tous être en mode émission. Voilà. Ce qui fait que si vous êtes pris dans une avalanche, on peut vous retrouver plus facilement. Ça va ? Alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Tout ce qui est de rando. Je donne un petit coup de cheville et je viens pivoter autour de la jambe. En fait, les conversions, c'est pas si mal que ça. Arriver en haut, je trouve que plus on dit que c'est difficile et plus je trouve que j'y arrive. Donc, plus la côte est raide et je trouve que mieux ça tourne. Là, on est à la cabane de Coste des Bois. Gou en Bernay, ça veut dire le petit passage. Effectivement, on l'a juste trouvé là. Vous savez, en montagne, on a un principe simple, c'est reviens vivant, reviens ami et avec le sommet. Et surtout, on n'en change jamais le sens. Avec ma cliff, je kiffe l'ascension. Ils montent ici avec leur brebis. C'est la basque auvergnate qui est endémique ici. On peut en entendre derrière, elle est restée coincée. Ils fabriquent encore le fromage. Ouais, joli. On a dû composer avec la météo un petit peu capricieuse et tempétueuse, mais de manière générale, on a eu des conditions exceptionnelles et l'ensemble des participants sont vraiment satisfaits d'avoir mis le pari et la confiance sur le staff d'encadrement. Pour moi, j'ai énormément apprécié, et puis le groupe, la même chose, on est rentré en sécurité parfaite, dans un terrain alpin, voilà, c'est la montagne.